Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Rennes. Aujourd'hui, on reçoit le collectif Chevreuil qui nous accueille dans le cadre d'une soirée Blackwood. Salut Romain. Salut Charles. Ça va? Bien et toi? Très bien, merci de nous recevoir. Pas de soucis, avec plaisir. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à notre collectif. Ah bah écoute, nous, notre concept, c'est d'interviewer les artistes et les personnes qui valorisent l'art et sous toutes ses formes, on va dire. Donc vous êtes complètement dans notre thème. On est donc dans une soirée Blackwood. C'est la cinquième édition. Cinquième Blackwood, ouais. C'est ça. Donc Blackwood, c'est... Alors Blackwood, c'est les deuxièmes soirées qu'on a fait dans le sens où ça sont, c'est le deuxième endroit où on a commencé à faire des événements. Ouais. Blackwood, c'était pour c'était un peu plus sur toujours être dans le thème de nos soirées Chevreuil avec la forêt. Okay. Et surtout qu'on voulait insister sur le fait que ces soirées allaient être un peu plus sombres, ou du coup beaucoup moins de lumière qu'au Café des Champs Libres. La première était à la fête de la musique, juste le week-end de la fête de la musique de l'année dernière. Okay. Du coup, c'est Maximilien et toute l'équipe du Café de Rennes qui nous ont accueillis, c'est la première fois à bras ouverts. Et du coup, on a fait 5 ici, ouais. Plus nos 1 an. Et c'est vraiment l'endroit, c'est l'endroit où on se sent le mieux, c'est l'endroit où on est le mieux accueilli. C'est votre fief. Ouais, les gens qui viennent ici à chaque fois, c'est bah, même des fois, bon là ce soir, on va essayer de limiter un peu la jauge parce qu'on a eu quand même des retours sur Grand Quoi, des fois il y avait trop de monde. Ouais. Donc bon, on crache pas dans la soupe parce que c'est cool de voir évidemment que ça marche. Mais là, on va essayer de restreindre. Et c'est pour ça aussi qu'on fait les Blackwood, on les fait toujours sans prévente. Bon, c'est pas cher. Hein. Nous, notre but, c'est pas essayer de faire de l'argent, mais c'est d'apporter des trucs abordables. Participation aux frais, ouais. C'est vraiment. Il faut qu'on a quand même beaucoup. On a fait comme toujours de la déco, on amène du son, on amène des lumières. Il y a les DJ, il y a le matériel. Mm-hmm. Donc, du coup, il y a quand même un coût dans la soirée. Mais le but étant juste de l'amortir. Mais on fait pas de prévente. Okay. Parce qu'il y a toujours des DJ qui jouent en premier début de soirée. Généralement, on fait jouer les DJ de notre collectif. Parce que nos invités, on les fait jouer un peu plus tard. Comme ça, les gens ne peuvent pas sélectionner pour qu'ils... Et du coup, voilà, okay. C'est faut que les gens qui, généralement, le premier DJ, ils jouent le monde devant beaucoup moins de monde que la fin. Donc, on essaye de... Voilà, on ne veut pas faire de pré-vente parce que sinon, les gens, ils arrivent tous à je ne sais pas quelle heure. Ouais. On préfère que les gens viennent tôt parce que nous, on est là tôt et que de toute façon, ça ne change pas grand-chose au final parce que les gens peuvent rentrer, ressortir, il n'y a pas de souci, quoi. Bien sûr. Et j'imagine qu'avant d'arriver à une soirée où vous faites complet, on va revenir à la création de Chevreuil. Donc vous êtes une équipe précise, vous avez chacun des rôles. Alors on a à peu près chacun un rôle déterminé, après chacun met à la main la patte pour tout aider. Là, comme vous voyez à côté, comme vous avez pu filmer tout à l'heure, on était tous là en train de donner la patte pour la déco, alors qu'on a une scénographe, mais tout le monde était là, que ce soit la chargée de com, que ce soit les DJ, que ce soit notre graphiste. Même là on avait deux bénévoles qui étaient là avec nous. Mais c'est vrai que l'impulsion de base qu'on a eu l'idée de faire ça, c'est qu'on s'était dit qu'on avait tous un petit peu un rôle à jouer. Ouais. On avait une photographe, on avait 2-3 DJ, on avait Duncan qui est notre ingé son qui avait du matériel, on avait Vincent que vous allez voir tout à l'heure qui lui faisait des bonnes vidéos. Ouais. On avait chacun un rôle et on s'est dit en mettant tout ça en commun, on a moyen de faire un truc. Okay. Après une grosse fête privée qu'on a organisée un été, où on s'était tous rejoints pour la première fois avec le matériel de Duncan en se disant, on était 70-80, mais on s'est dit, il y a un truc à faire. Ouais. Après, rendez-vous a été pris en fin février, 27 février 2015, au Café des Champs Libres. 400 personnes la première soirée, pour une soirée de 20h à 1h. Les gens étaient hyper réceptifs. Ouais, les gens étaient réceptifs. C'était la première fois qu'on proposait un before payant. Bon, c'était 2 euros hein, la première, mais quand même, quoi, les gens sont venus, se sont déplacés en masse. On avait fait jouer que des gars du collectif, à part deux invités, pareil. Mm-hmm. Et du coup, grosse réussite la première, bon mood. Après, on en a refait une autre au Champ Libre. Et après, on a été invités ici. Okay. Pour après partir sur des événements un peu plus en extérieur, le premier été. Quoi. À moindre... Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Okay. On a fait quelques open air à la ferme de la Harpe à Villejean, mm-hmm. des trucs du coup gratuits, on venait poser du son comme ça, mm-hmm. un peu, donc on voyait qu'il faisait beau. On a fait une fête en comité restreint sur un terrain à l'extérieur de Rennes où on a refait deux gros stuff cette année qui là ont été vraiment pour nous l'accomplissement de ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Et sinon voilà, pour la vraie, l'aventure a vraiment commencé avec les Champs Libres et le Café de Rennes. Et maintenant on se continue vraiment avec le Café de Rennes parce qu'on fait plus rien aux Champs Libres. Ouais. Parce que le Café de Rennes c'est là qu'il y a le noyau vient, c'est là que tous ceux qui nous suivent ils viennent à chaque fois au Blackwood, ils s'éclatent, il y a un bon mood et au Blackwood il y a vraiment une folie que nous on aime bien, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Ça reste une priorité pour nous. On l'a, même si on l'a plus le temps à passer, puis on va commencer à arriver sur des plus grosses salles,
parce qu'on est en train de grandir, mais on n'oubliera jamais les Black Hood, on en refera toujours. Okay. Et en même temps, votre émergence, l'émergence de Chevreuil, s'est faite aussi conjointement avec d'autres. Il y a d'autres collectifs qui sont, on va dire, la scène électro, on va dire, au sens large. Il y a d'autres collectifs, on va dire, des syllabes, la tangente, tout ça. C'est, à ton avis, ça vient d'où comme si tout le monde s'est donné le mot, en fait, que la scène électro arrive Bah, je pense que Rennes, à part des deux collectifs qui étaient en place quand même depuis quelques années, comme la Midi 2 et la Midweek, maintenant qui s'appelle Onde, Rennes était un peu en retard là-dessus, comme par rapport à des villes comme Nantes ou forcément Paris, c'est la capitale, mais bon, Nantes qui est notre plus proche voisine. Je pense qu'il y a une émergence de la scène électronique et du coup encore plus de la scène techno et underground dans un peu partout, dans le truc. C'est en train aussi un peu de se démocratiser. Alors, c'est pas forcément le but parce qu'on recherche pas forcément les mêmes genres de musique, mais c'est vrai que nous, je pense qu'on est tombé dans un bon créneau, quoi. C'était là, maintenant, il y a eu beaucoup d'assauts à émerger en même temps. Nous, on est la dernière. Enfin, il y en a eu d'autres, mais à même impact, on va dire. On est encore plus jeunes que ce soit la tangente, des syllabes, la roue, l'ice island craft. On est vraiment les petits derniers. Après, il y en a eu d'autres qui ont commencé à émerger, mais qu'on va dire explosé moins vite. Et je pense que nous, on a eu la chance de tomber dans un bon creux. On a eu la chance d'avoir des bons spots, parce qu'il est clair que ça, de toute façon, c'est sûr et certain, qu'avec toute la volonté du monde, c'est le lieu qui va faire la réussite d'une soirée. Ah ouais, tu crois? Ouais, c'est les DJ, forcément, l'envie que tu as derrière, il faut faire ça, il faut être sincère, il faut avoir envie de faire ce que tu veux, il faut le faire vraiment pour que les gens s'éclatent et pour que toi, tu t'éclates aussi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon lieu à exploiter. Okay. Nous, la première, on avait les Champs Libres, qui était un bar inexploité, avec d'un grand espace, personne n'était jamais allé dedans. Bah voilà, on a fait 400 la première, donc on était inconnus, quoi. Enfin, c'était notre premier truc. Bon, on connaissait un peu des gens parce qu'on sort tous beaucoup, on rencontre les gens, on discute beaucoup. C'est comme ça que ça se fait, comme on se monte un peu c'était un peu monter le réseau. C'est-à-dire que quand on a fait la page Facebook, on avait déjà une bonne visibilité sans avoir rien fait. Mais c'est parce qu'on avait eu les Champs Libres. On aurait commencé par faire une première soirée dans un plus petit bar, je ne sais pas si on aurait eu cet impact-là d'un coup. D'accord, mais c'est étonnant que les deux exemples que vous avez, parce que les Champs Libres et le Café des Champs Libres et le Café de Rennes, justement, c'est pas des lieux du tout prévus pour être des bars, des soirées. Du coup, justement, je pense qu'un des enjeux de Rennes, est-ce que c'est pas justement trouver des lieux, les bons compromis, quoi, parce que les boîtes de nuit, par exemple, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas. Enfin, faut vraiment trouver les. C'est une difficulté, tu penses? Bah, à Rennes, il y a un gros problème, c'est sûr, ça manque de lieux. Sur le papier, on n'a pas l'impression, parce qu'on se dit, il y a l'Antipode, il y a l'Ubu, mais alors ce sont des scènes qui sont subventionnées par la ville, du coup, qui se veulent beaucoup, qui se doivent éclectiques, qui ont du coup une programmation assez pointue. C'est pas facile de les avoir. Et puis, l'exemple de l'Antipode, c'est assez éloigné en plus. Enfin, L'Antipode, même si c'est. Ouais, c'est pas centré, mais l'Antipode, les gens, ils se déplacent. Parce que c'est la salle mythique, elle est faite pour. C'est, ouais. Les gens, ils se déplacent. Mais ce qui est plus compliqué, c'est comme en termes de coûts. Enfin, il faut être sûr de réussir. Puis bon, tu confies pas une salle comme ça à n'importe qui. Donc c'est normal qu'il faut d'abord faire ses preuves. Mais forcément, pour faire ses preuves avant, il faut avoir d'autres lieux à disposition. Et le seul lieu qui peut être à finalement assez facilement, c'est le 88. Ouais. Du coup, qui est un club, comme une boîte standard, qui se veut à diriger de plus en plus vers un club, mais où il y a quand même quelque chose encore, il y a pas mal encore de choses à améliorer. Du coup, nous, on n'a pas pris la décision d'aller là-bas. Du coup, nous, on a décidé de faire des trucs dans des bars, des trucs au début standard. Et c'est là, ok, cool, c'est ça, c'est trouver un lieu qui n'a pas rien à voir au début, de le décorer, de le transformer, et là les gens ils viennent s'éclater, c'est ça qui est cool, parce que c'est sûr que... Je pense que justement le café de Rennes... Bah là on dirait plus le café de Rennes, mais c'est vrai qu'à la base c'est un café des sports, là on dirait pas que c'est fait pour ça, quoi. Et, non, donc, et juste après nos un an, quand on a fait les premières soirées dans la maison là, qui était une grande maison qui était juste au bout de la rue après là, la tour de Tise là, qui est détruite, du coup on a fait dont un an là-bas et on a fait la dernière avant qu'elle soit détruite. C'est génial. C'est ce qu'il n'y a pas à Rennes. C'est ce qu'il n'y a pas à voir que dans les grandes villes comme Paris ou peut-être un peu Nantes, mais encore moins. C'est des lieux vraiment pas faits pour ça, complètement, on va dire, atypiques. Et tu fais une soirée là-dedans et ça plaît aux gens. Quoi. Ça, petit peu réduit, faut pas blinder les gens. On était 200 à la truc et ça, c'est. Et nous, depuis, on a eu une première vague de gens qui ont commencé à nous connaître avec la Time et les Black Hood. Et on a eu une grosse impulsion après cette soirée à la Tour de Tise, après non un an.
Et encore après cet été, après les teufs sur le terrain extérieur. Parce que là, c'était vraiment des gros événements et c'est ce qu'on voulait faire. Okay. Donc, c'est pour ça encore je te dis que le lieu fait beaucoup. Quoi. Il faut, plus tu innoves, plus tu amènes les gens dans un lieu différent où ils ne sont jamais allés, plus tu leur rends bien. Après, c'est vrai que les gens ils viennent danser de toute façon. Mais ça fait beaucoup quand même. Que les gens se sentent bien dans l'endroit et qu'ils se disent putain, ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait de cet endroit-là. Tiens, putain, c'était où ça? Ah putain, il y a ça dans ma ville. Putain, ah ouais, ça, c'est à même pas 20 minutes de chez moi en bagnole. Non, et donc, tu vois, ça, c'est cool. Okay. Et justement, vous, est-ce que vous avez dans votre équipe une scénographe? Ouais, on a ouais, ça. Alors, nous, tous les jours, on est vraiment une équipe, on a une scénographe, une photographe, un vidéaste, des DJ, un graphiste. On a chacun, je dis chacun et tout le monde, mais chacun a son rôle aussi. Okay. Et mais de l'extérieur, est-ce que c'est quelque chose de courant d'avoir des membres comme ça dans une équipe, dans des organisateurs? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est scénographe ou est-ce que ça est un moyen pour vous de vous démarquer, par exemple, d'autres soirées? Je ne sais pas comment fonctionnent les autres assos, je sais que pour avoir... Tu penses vraiment qu'il y a une scénographe vraiment qui va... un graffeur aussi? Bah nous, c'est vrai qu'on a toujours aimé... On vient de d'horizons un peu différents, mais on a toujours tous aimé un peu le street art. Il y a 2-3 DJ qui viennent quand même de la culture hip-hop. Ouais. Du coup, Tom, qui fait partie de l'asso depuis le début, est un très bon graffeur. Il a depuis le début voulu participer à l'aventure et aussi en agrémentant et en sublimant un peu nos events avec ces trucs. Nous, ça lui permet de donner la visibilité à sa page du coup, aussi, et à son projet d'artiste. Mais lui, ça fait quand même 10 ans qu'il graffe, bien avant l'existence de Chevreuil. Et nous, ça incorpore tout à notre projet. Ça, je pense pas que beaucoup d'assos en aient un dans leurs membres. Je sais que d'autres assos font venir des performeurs lors d'événements. Mais ce n'est pas forcément des graffeurs qui font partie de l'assaut. Nous, Tom, il fait partie prenante du projet Chevreuil, comme c'est lui qui a fait nos t-shirts et qui fera peut-être les prochains. Mais c'est différent de Sarah, qui est notre scénographe, qui, elle, a fait les Beaux-Arts et qui, quand même, quand l'aventure a commencé, c'était la compagne d'un de nos DJ avec qui moi, on a eu, c'est mon pote, avec qui on a vraiment commencé à parler de ça tous les trois avec d'autres cannes au début. Du coup, elle s'est mise dedans forcément toute seule. Et puis, elle a le talent derrière, elle a le truc créatif qui fait que quand on fait des scénos, la première scéno qu'on a fait au Champ Libre pour un bifort, c'était les masques que tu me parlais tout à l'heure, les têtes de chevreuil pliées avec des lumières et des trucs. Enfin, et quand on a fait la maid, elle avait fait un truc avec des tuyaux, avec de la fumée et du lierre pour faire une espèce d'imitation de vieille usine délabrée. Enfin, ça, c'est... Moi, ça, je saurais pas faire. Ouais. Bon, je peux dire que c'est beau, je lui donne des idées, je suis là pour lui dire si ça c'est bien ou pas. Mais l'impulsion première, on voit qu'elle est douée pour ça. Et du coup, elle est scénographe, c'est elle qui décide. Quoi. Pour toi, c'était une nécessité d'avoir une dimension, le visuel, quoi, on va dire, un travail sur le visuel, c'était vraiment... Peut-être que les autres assos, ils font appel à des gens ponctuellement, mais tous les assos, en tout cas, ont quelqu'un qui s'occupe de la déco. Ouais. Ils ont des petites mains, plus à peu près, qui aident. Mais nous, en tout cas, on a une scénographe, quoi, ça c'est clair. D'accord. Tout à l'heure, on parlait des enjeux de créer un collectif comme le vôtre à Rennes. Par rapport à des grandes villes, est-ce que tu dirais que c'est pas aussi simple que ça, mais est-ce que tu dirais que c'est un avantage ou un inconvénient de faire ce choix-là? Comme je disais tout à l'heure, nous, l'avantage qu'on a eu, c'est je pense qu'on est tombé dans une bonne conjecture où c'était pas encore bouché, où il n'y avait pas des assos qui arrivaient de partout. Du coup, on a eu la chance de se faire un petit trou. Après, l'inconvénient d'être à Rennes, pour moi, déjà, il y a cette histoire d'horaire de fermeture des boîtes et des bars. Les bars à 1 heure. Dans le sens, les bars ferment à 1 heure au lieu d'à 2 heures et les bars de nuit ferment à 3 heures au lieu de 4 heures. Sachant que nous, une Blackwood, quand ça finit à 3 heures, les gens, à la fin, ils sont encore bien chauds. Et vu qu'à Rennes, on a l'habitude de devoir sortir de boîte à 5h45 quand tu vas dans un club ou même quand tu vas à l'Antipode ou à l'Ubu. Si un bar de nuit, vous pouvez fermer à 4 heures. Déjà, ça permet de faire un truc dans un bar de nuit jusqu'à 4 heures. 4 heures, c'est déjà bien. Ouais. Après, les gens, ils continuent s'ils veulent un peu ailleurs, mais 4 heures, c'est déjà cool, quoi. Ça, déjà, ça pêche beaucoup à Rennes. Quand tu fais des dossiers à la ville de Rennes, on n'a pas encore l'occasion de le faire, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Mais je sais que ce n'est pas facile. C'est des gros dossiers assez contraignants. Dès qu'ils entendent le mot techno, tout le monde ferme ses portes. Ils ont peur. Ils voient l'image des rave parties, des chiens, de la drogue. C'est une mauvaise image qu'il faut réussir à se décoller. Ouais. Parce que sachant que nous, au Café Nantes, c'est comme la 5e, on pourrait demander, il n'y a jamais eu un seul pépin. Oui, c'est pas l'ambiance. Jamais de baston, rien de cassé, pas de malaise, rien du tout. Mais par contre, les cinq fois, ça a été comble et le bar a fait un des chiffres qu'ils n'avaient pas. Donc économiquement, pour le bar, c'est bien. Donc, pour la ville, il faut arrêter de tailler à chaque fois dans les soirées techno et de les décrier à chaque fois. Ouais. Donc,
C'est l'avantage d'une petite ville, c'est que bah, y a moins d'assauts et que c'est sûr que faire un tour son trou à Paris, parce qu'il y a tellement d'assauts, tellement de trucs, c'est quasiment impossible, ou c'est beaucoup plus dur. Mmh. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a plus de lieux, il y a plus de latitude pour organiser des soirées. Quoi. Mmh. Même si c'est toujours pas facile, en n'importe quelle ville de France, quand tu veux organiser une soirée avec de la musique électronique, généralement, ils t'attendent au tournant de toute façon. Okay. Ça, c'est clair. Et justement, comment est-ce que tu vois la suite du coup? Est-ce que rester à Rennes pour vous, c'est très important? Ou est-ce que vous avez c'est très important pour nous de rester à Rennes. Ouais. On fera sûrement des trucs à Paris ou à Nantes ou à Caen. Là on a sûrement des opportunités pour faire des trucs à Caen, ouais, à Morlaix et sûrement un petit peu à Nantes. Mais bon, on prend notre temps, parce qu'on n'a encore qu'un an et demi, ça reste des petites villes. On reste le truc. Paris, il y aura sûrement moyen d'aller faire peut-être des trucs au bateau phare ou de faire des collabs avec des collectifs qu'on connaît là-bas. Mais on préfère continuer à faire pour l'instant des trucs à Rennes, parce que c'est chez nous. Mmh. On a encore beaucoup de beaux jours devant nous avec les teufs qu'on va faire à côté de Rennes. Et l'avenir, ouais, ce serait de continuer à réussir à se développer sans aller trop vite, sans non plus prendre la tête ni prendre le melon. Mmh. Et l'idéal, un jour, ça serait de pouvoir faire un très gros événement qui rassemblerait plusieurs milliers de personnes, comme certains grands collectifs l'ont fait, ils étaient tout jeunes au début, et qui pourraient permettre à certains d'entre nous de se professionnaliser. Quoi. Bah, merci Romain. Mais de rien, merci à vous pour votre truc. Je vais aller bosser maintenant. Je t'en prie, vas-y.